comme on vient de le voir dans ce petit test, les deux premières bandes abrasives sont vraiment faites pour enlever beaucoup de matière, donc pour le détourage, pour créer les émoutures après la forge de la lame, ou si on fait du stock removal, bah pour directement enlever beaucoup de matière sur l'acier de base. Donc là c'est le grain 36 et 80 qui envoie vraiment du pâté. Ça enlève vraiment beaucoup de matière assez rapidement, il n'y a pas besoin d'appuyer comme un dingue. Elles sont vraiment très efficaces, ça mord très fort dans l'acier, donc faut faire attention de ne pas aller trop vite, parce que sinon on peut enlever trop de matière rapidement. Elles sont vraiment idéales pour travailler. Là vous avez vu, j'ai passé pas beaucoup de temps dessus, j'ai fait 3-4 passages, et ça suffit largement à enlever quand même pas mal de matière. Les bandes d'après, donc à partir du grain 120 jusqu'au 700, sont plus des bandes destinées à commencer le polissage, jusqu'à avoir un polissage jusqu'au 700, un polissage vraiment fin. Donc après, pareil, ces bandes-là sont aussi très efficaces, j'ai pas beaucoup forcé dessus pour vraiment que ça enlève de la matière, quoi, pour que ça enlève les rayures des grains d'avant. C'est des bandes qui s'utilisent vraiment avec une pression assez faible en fait. Donc là dans le test on a bien pu voir les rayures de plus en plus fines à chaque fois. Et c'est vraiment agréable à utiliser parce que c'est du bon matos. Norton, avec Norton on n'est jamais déçu. Après le grain 700, ce que vous pouvez faire si vraiment vous voulez avoir un polissage encore plus poussé, vous pouvez attaquer le polissage au papier de verre à la main en faisant du tiré en long par exemple. Ou alors polissage à la pierre naturelle, synthétique, japonaise. En résumé, ce sont de très bonnes bandes, elles coûtent pas trop cher, elles chauffent pas trop, ça chauffe pas trop l'acier, c'est vraiment un régal de s'en servir. Si ces bandes abrasives vous intéressent, vous pouvez les commander chez Michel Vaillant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les appeler, ils répondront à toutes vos questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.